C'est-à-dire le panneau prêt au départ qui va se retourner pour libérer le panneau 5 secondes. Et nous, pendant ce temps-là, nous aurons le jingle. Et c'est parti. C'est parti avec un très très bon départ à l'extérieur de Mathieu Baumel et de Claudio Capeo, mais qui ne pourra pas dépasser Andrea Beneze. Donc à l'amorce de la première épingle là-bas en bout du circuit, on va retrouver la grille de départ dans l'ordre normal, c'est-à-dire Mathieu Baumel avec la Motul en tête, juste derrière lui Andrea Beneze avec la Loxam et Claudio Capeo avec l'Andros, suivi d'Arnaud de Samer avec l'Enedis, et j'ai l'impression que derrière c'est Hugo Laugier qui prend pour l'instant la cinquième place dans cette première partie de la finale. Thierry, et belle assurance de Mathieu Baumel. Il est bon, regarde ça, ça a bien progressé. Parce que derrière c'est le petit Beneze, il est sérieux, et puis Claudio il est là, on va voir. Mais il joue Claudio, des fois il en fait un peu trop, c'est ce qui fait sa particularité, mais ça nous amuse. En attendant, est-ce que Mathieu Baumel aura la seconde... Hop, attaque de Claudio Capeo, pardon. Est-ce qu'il aura la seconde traditionnelle lors du premier tour de cette finale? Eh bien, il aura même un petit peu plus, j'ai l'impression, Mathieu Baumel, puisque au passage sur la ligne, il va bien sûr établir le premier record du tour de cette finale, voilà qui est fait. Et il repousse Andrea Beneze à 2 secondes, Claudio Capeo à 2 secondes 9, Arnaud de Samer à 4 secondes et Hugo Laugier à 7 secondes, alors que Grégory Bauger, lui, est en observation. Grégory Bauger, non, mais attends, ça c'est le pistard, ça observe, avant de mettre les bonnes trajectoires. Hop, le petit Claudio Capeo, regarde-le. Il est un peu loin, il est un peu loin pour l'instant. Il va se rapprocher, mais les deux pilotes qu'il a devant lui, ben, sont des vrais pilotes, parce que moi je suis impressionné par Mathieu Baumel. Regarde, oui, il a fait vraiment progressé. Il a repris le record du tour dans le tour 1. On va voir ce qu'il va continuer ensuite dans le tour 2. Mais pour le... Grégory Bauger fait des extérieurs pour l'instant. C'est pas grave, il va revenir dans le peloton. Il va revenir dans le ciel, cette partie. C'est comme ça qu'on dit, toi qui es spécialiste. Attention, la première. Et Andrea Beneze à l'attaque. Alors ça va se jouer, il reste encore 3 tours. Mathieu, c'est la bagarre devant entre Mathieu Baumel et Andrea. Attention à la motricité, mais ça peut faire les affaires de Claudio Capeo si ça se bagarre bien devant. Belle résistance, regarde Mathieu Baumel. Elle est belle cette finale, mais oui. Mais là pour l'instant on est monotrajectoire et Mathieu Baumel résiste à Andrea Beneze. Andrea Beneze quand même qui dans ce deuxième tour prend le record du tour. Chacun son tour, mais pour l'instant, regarde, il ne fait pas d'erreur Mathieu Baumel. Regarde l'intérieur Philippe. Non, ça passera pas, j'en étais sûr. On va attendre un petit peu, mais tu vois ce qu'est en train de faire Andrea, là c'est malin. Il est en train d'observer, il va pouvoir porter son attaque et tu vas voir, dans un demi-tour peut-être ou un tour, il va mettre le capot à côté de la voiture Motul. Il est menacé. De Mathieu Baumel, il va passer. Il a la pression, attends, il reste deux tours, il a la pression, mais il résiste bien Mathieu. Il a le temps. Allez, regarde, il s'approche de plus en plus là. Peut-être pour porter une attaque ici, il va prendre la corde et voilà, c'est fait. Allez, les ornières là en plus, il faut s'en occuper parce que c'est plus vous qui conduisez, c'est la voiture. Regarde, Claudio est revenu derrière. La bagarre entre les deux, ça fait qu'il s'observe et Claudio Capeo revient et il a pris le record du tour. Comment ça va. Arrête, il neige assez, Thierry. Allez, toujours Mathieu Baumel. Hop, c'est sérieux là, dis donc. Allez, un tour, il va peut-être... C'est plus compliqué. Elle est magnifique cette finale, vraiment. C'est plus compliqué à cet endroit, mais on va surveiller la descente, puisque Andrea Beneze n'a jamais été aussi près de la voiture de Mathieu Baumel. Un tour, Philippe, il faut lancer les paris. On va rentrer dans le dernier tour au passage sur la ligne de chrono, et là il va y aller, je pense, Andrea Beneze. On va surveiller le freinage d'Andrea Beneze qui a freiné deux fois, beaucoup plus tard que Mathieu Baumel. Est-ce qu'il est... Toi, il revient en hauteur. Ça passe pas parce qu'il a un peu fermé la porte, mais c'est normal. Non, la trajectoire est propre. C'est parfait. Elle est propre. Allez, c'est le dernier tour devant nous. Oh, que ce dernier tour va être chaud. Philippe, il va être chaud. Alors que la portière de Mathieu est un petit peu ouverte, mais pas beaucoup. Non, c'est qu'il a chaud, c'est pour ça qu'il prend un peu l'air. Ça fait l'avantage. Et puis Claudio Capeo, les trois premiers, excusez-nous, mais vraiment la course, elle se passe vraiment devant. Parce qu'après on a Arnaud Samer qui est très loin, on a Hugo Laugier et Grégory Bauger très loin, et le record lutte. C'est Claudio Capeo qui va passer, qui attaque Beneze. Alors là
Eddy Benezé, on va dire, amené à l'extérieur par Claudio Capéo, mais il était au cœur de la portière. Oui. Hein. C'est la course. C'est comme ça, fallait fermer la porte. Et pour l'instant, donc, Mathieu Baumel en tête de cette finale de Claudio Capéo. Oui, c'est normal. Attends, il est sorti, Claudio. Non. Mais si. Oh, mais il est bien capable. Voilà, il est sorti. Bah, oui. Ou alors, il attend Andrea pour lui dire, vas-y, repasse. Voilà, donc, et Mathieu Baumel va s'imposer. Il va s'imposer tranquillement, Mathieu Baumel. Voilà, le voilà qui arrive. Reparti. Et Mathieu Baumel qui s'impose, drapeau à damier pour la voiture Motul. Voilà, André. Oh, mais là, la roue arrière qui est un petit peu. Il y a du carrossage à l'arrière gauche pour la voiture. Bon, c'est rien, ça. De Claudio Capéo, non, c'est juste un peu tordu, une petite biellette qui a tordu. Voilà, et troisième, alors du coup, il n'est pas reparti, Andréa. Bon. Bah, écoute, on va attendre la voiture qui arrive. C'est Arnaud de Samer qui arrive. Ensuite, on a Hugo Logier qui arrive. Et Andréa n'a pas dû pouvoir repartir. Il a été amené dans la puff et elle était très épaisse, la balle à neige. Il a peut-être pas pu repartir. Ouais. Et on attend le résultat. Il nous restait donc. Grégory Bauger est passé. Donc malheureusement, voilà, il est là. Bah, Il est à l'extérieur. Pour l'instant, eh bien, on va vous donner le résultat de cette première finale, puisqu'il y en aura une autre demain, puisque nous aurons une journée complète demain. Voilà, Andrea qui sort de sa voiture. Donc, Mathieu Baumel s'impose avec la voiture Motul. Claudio Capéo, le pilote Andros, avec 12 secondes de retard. Ensuite, nous avons Arnaud de Samer avec la voiture Enedis à 19 secondes. Hugo Logier, la voiture Canal+, à la 4e place. Ensuite, Grégory Bauger, 5e. Et Andrea Benezé qui termine à la 6e place. Alors, ils se font suivre, tout va bien. C'est sportif. On est là pour prendre du plaisir. Sportif. Et en plus, c'était arrêté. Tu viens, je te ramène au chaud. On va aller boire un petit jus Andros. Un jus Andros, voilà. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Manger quelques yaourts de bonne maman. Et puis, on repartira pour une bonne soirée. Bon, bravo, Andrea. Super. Allez, garde le sourire. Oui, allez, c'est bien. Bon, c'est bien quand même, c'est pas grave. Va. À mon avis, on reverra ce garçon. Il sera piqué par. Il sera piqué, hein. C'est vrai, il fait tomber la neige en plus. Voilà. Bon. Non, bravo. Bravo, Andrea. Allez, c'est sportif, c'est bien, c'est la course. Ben voilà, c'est fait. Et puis bon. Il y a un bel esprit. Bravo. C'est le plaisir. Donc, on vous le disait, victoire de Mathieu Baumel et record du tour pour Claudio Capéo. Même quand c'est fini, ça continue avec. Voilà. Mais il s'arrête pas. Les amis, il nous reste encore deux finales. Hein. Bon, on va voir si on peut procéder à quelques petites interviews, on a un petit débat. Regarde, voilà le classement, donc Mathieu Baumel. Voilà, Mathieu Baumel, qui gagne cette journée devant Claudio Capéo.